La vérité est une pilule amère dont beaucoup voudraient se passer, et à juste titre parce que parfois ça fait mal. Si jamais c'est ton cas, ne regarde pas cette vidéo jusqu'au bout. Regarde-le, peut-être le début, mais pas jusqu'au bout. Who would you say loves harder, men or women? I think women loves harder. I saw this one video. A guy asked a whole bunch of women, if a grim reaper came right now and said, I'm gonna kill you or your husband, who should I kill? Azrail gelse dese ki, senin mi canını alayım, sevgilinin mi? Kimi tercih eder? All the women were like, kill my husband. Take my husband. Why would I die? Sevgilimi. Sevgilimi. Eşimkini alsın. Eşimkini. Ama onu. He asked the same question to men. They're all like, take me. I don't want my wife to die. Kendimi. Ben canımı alsın. Ben ikini alsın, eşimi ikini alsın. Sen ikini alsın kendimi. Women love easier. Yeah. But I think men love harder. He's definitely right about that. Men do love harder. You see, women may cry a lot and may show a lot of emotion in regard to how much they love. But a lot of it is just smoke and mirrors. A lot of it is noise, which we're very good at. But when it comes to the nitty-gritty, men win hands down. Because anyone that will give their life for someone that they love, that's true love. Women certainly fall in love easier, I believe. But as easy as they fall in love is as easy as they fall out of love. A woman can leave a man because of hypergamy. A woman can leave a man because she's bored. A woman can leave a man just because she feels she's not happy anymore and he didn't even do anything. A woman can leave a man because he didn't clean the house enough. Women oftentimes leave men for the most frivolous of reasons. But even though most men are not over the top with their day-to-day expressions of love, they're not doing cartwheels through valleys and fields. But when it comes down to it, men are the true romantics. I said this in one of my videos, that men invented romance. It's them. They're the true romantics, it's not us. For women, love is very often like a revolving door. Someone comes in, someone can go out just as easy as they came in. Because we're dominated by our emotions. And our emotions can change like the weather. That's why it oftentimes takes men so long to fall in love and or to commit, because they know the decision they're making. They're making the decision, till death do us part. So men should always keep that in mind when you're with a woman. Her love is conditional. And as fast as she fell in love with you, for many women, they can fall out of love as fast as they fell in love. A woman's love is conditional. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et il y a d'autres choses sur lesquelles je nuancerai, on va dire. Déjà, je tiens à saluer l'empathie de cette demoiselle, ce qui est très rare, c'est tellement elle a de l'empathie. Donc, je rappelle, l'empathie, c'est la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre, d'être dans ses propres chaussures, hein, comme diraient les Américains. C'est tellement rare que tu as l'impression qu'il y a une douille quelque part. C'est vrai? Est-ce qu'elle est sérieuse ou est-ce qu'elle fait ça pour l'argent? Est-ce qu'il y a un truc? Tu sais pas, parce que beaucoup attribuent aux femmes l'empathie, mais moi, s'il fallait en débattre, je suis pas d'accord forcément, les gars. Je dirais qu'elles ont de la sympathie. Après, je suis pas en train de comparer est-ce que les hommes ont plus d'empathie ou pas, hein. C'est pas le sujet. Je suis en train de dire que souvent, on attribue aux femmes l'empathie. Non, pas forcément. J'aurais deux arguments pour ça d'ailleurs. Et après, on passera et je te dirai exactement ce sur quoi je suis pas tout à fait d'accord et l'erreur que les hommes font par rapport à ce contexte, le contexte de la vidéo. Premièrement, si les femmes avaient beaucoup d'empathie, il n'y aurait pas tous ces débats sur les réseaux sociaux. Où quand un homme, il parle de ce qu'il voudrait avoir, on lui dit non, tu ne devrais pas vouloir ça chez une femme, tu devrais vouloir autre chose. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, tu dois m'aimer comme je suis, donc je vois pas pourquoi tu te parles, enfin, on s'en fiche de ce que tu dis en fait. On s'en fiche en fait. Ce que tu veux, ça nous intéresse pas. Déjà, tu es misogyne déjà, donc voilà. Et mon deuxième argument, ce serait la friend zone. Tous les gars qui sont dans la friend zone, c'est un manque d'empathie. C'est cruel, d'accord? Elles savent que les gars veulent plus ou rentrer en intimité, mais elles les laissent là. Et j'ai déjà vu, j'ai entendu du truc friend zone pendant 10 ans. Elles sont détendues.
Voilà, elle profite de toutes les ressources du gars, donc bah, c'est cool pour elle. Hein, comme moi, j'ai déjà donné mon avis sur l'amitié homme-femme. Enfin, il n'y a aucun avantage pour un homme d'être ami avec une femme. Je te parle vraiment ami, genre t'es là, c'est comme si c'est ton gars, quoi. Genre, vous sortez, vous allez au cinéma, vous êtes là, vous êtes au restaurant, je sais pas où, ensemble, quoi. Donc elle, ça déchire parce qu'elle a l'avantage d'avoir tout ce qu'un petit ami peut procurer. Donc en gros, elle a tous les avantages d'avoir un petit ami sans rien donner en échange. Voilà. En tout cas, pas ce qu'un homme recherche. Parce qu'elle va dire, ah non, mais moi, je lui donne aussi mon attention, mon écoute. D'accord. Bref, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, là c'est maintenant que ça va piquer les gars. Déjà juste pour commencer, j'ai des petites statistiques les gars. Donc je rappelle que les divorces sont initiés par les femmes, c'est 80-90%, voilà, des femmes demandent le divorce. Chez les lesbiennes, c'est 75%, donc tu vois, on est proche quand même. Et chez les gays, hein, c'est 12%. Alors calme-toi Gérard, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu deviennes gay. Non mais... Non, je suis obligé de lui dire. Non, mais je suis pas en train de te dire, il faut que tu deviennes gay, Gérard, calme-toi. Hein. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on dirait que quand c'est entre les hommes, il y a moins de problèmes dès que la femme n'est pas impliquée dans le truc. Donc je te partage ces statistiques pour te dire que je suis complètement d'accord avec elle. Aujourd'hui, les femmes se séparent de leurs gars, qu'elles ont des enfants en bas âge, qu'elles ont 4 enfants, qu'elles ont 10 enfants, qu'elles ont 30 ans, qu'elles ont 40, qu'elles ont 50. Elles se séparent de leurs gars comme ça parce qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo. Je suis complètement d'accord avec ça, 100%. Et ça, je sais que tu le vois autour de toi, tu le vois sur les réseaux, tu le vois partout. Des fois, les gens disent « Ouais, les réseaux, c'est pas la vraie vie. » C'est la vraie vie, les réseaux. C'est la vraie vie. Et je dirais même que c'est encore plus réel. Parce que quand ils sont sur les réseaux, les gens, tu vois, ils se lâchent un peu plus, tu vois. Ils n'ont pas peur, c'est sans filtre, tu vois. Quand c'est en public, il y aura une petite retenue. Mais sur les réseaux, on est là. On dit vraiment ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Donc pour ça, je suis complètement 100% d'accord avec elle. Les femmes, elles demandent le divorce parce que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Hop, boum, elles demandent le divorce. Après, elles finissent aigries et commencent à dire oui, les hommes ceci, les hommes cela. Les hommes sont des prédateurs parce que du coup, tu es sur le marché du célibat à 30-40 et tu t'aperçois que les gars que tu voudrais avoir accèdent aux femmes qui ont la vingtaine et donc t'es vénère. Et donc du coup, tu te retrouves dans une situation où tu es dans ce qu'on appelle ce que Kevin Samuel... pour donner crédit à tout le monde, ce que Kevin Samuel appelait « no land man », si je l'ai bien dit, « no land man » plutôt, ça veut dire ben, l'endroit où il n'y a plus d'hommes, tu es sur la terre, il n'y a plus d'hommes. Tu es dans un âge où c'est compliqué en fait, tu es entre les deux en fait. Les hommes que tu vas avoir, en fait, tu es en compétition avec des femmes plus jeunes, donc forcément, ben, c'est plus difficile. Et c'est elles qui sont là après sur les réseaux à insulter les hommes, elles sont aigries, nanana, les hommes ceci, les hommes cela, les hommes ceci, alors que c'est elles qui se sont mises dans cette situation-là, en majorité. Et là où j'aurais des propos nuancés, c'est la dernière partie qui va piquer, c'est que je ne pense pas qu'on peut comparer l'amour échangé entre un homme et une femme. Parce que, premièrement, on est différents. Hein, les femmes sont hypergames, donc nous, on ne l'est pas. C'est complètement différent. Donc, je ne pourrais pas dire, oui, les hommes aiment plus fort, je ne sais pas comment dire, harder, comment le traduire mieux que ça. N'hésite pas à me partager ça en commentaire, une meilleure traduction. Mais je ne dirais pas que les hommes aiment plus fort que les femmes. Par contre, je dirais qu'ils sont plus loyaux que les femmes. Quand je dis loyal, les filles, ce n'est pas dans le sens où il ne va pas te tromper. Dans le sens où il sera toujours là pour toi. D'ailleurs, tu le vois chez les gays, voilà, il y a 12%. Et comme par hasard, c'est 12% qui manque chez les mariages hétéros, parce que les femmes c'est 80-90% et les gays c'est 12%. C'est les mêmes les gars, en fait c'est les hommes mentent mais les chiffres mentent pas, comme dirait le philosophe Caris. Et pour appuyer ce fait là, que les hommes sont beaucoup plus loyaux, par exemple une femme qui appelle son ex, ok, où il y a ton ex qui t'appelle toi, et te dit oh, je suis en danger et tout naïf, boum tu arrives. Vous voyez mon gars actuel en ce moment il me fait du mal, boum tu vas arriver. Même si ça fait un an, deux ans, parce qu'on a ce truc de loyauté qui va avec l'amour que l'on a eu avec notre partenaire. Après, plus le temps a duré, évidemment, si c'est une relation qui a duré 2 mois, non. Mais si c'est une relation qui a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'as toujours ce truc-là. Donc, en termes de loyauté, définitivement, on est beaucoup plus loyal qu'une femme. C'est mes arguments, je te laisse en commentaire me dire ce que toi tu en penses. Et deuxièmement, du coup, pour revenir à pourquoi, pour moi, on ne peut pas comparer et dire qu'un homme aime plus fort une femme qu'une femme aime un homme, parce que on aime différemment, c'est que l'homme, dans son amour pour la femme avec qui il choisit,
Et là, je suis en partie d'accord avec ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'un homme prend du temps à s'engager parce qu'il sait qu'une fois qu'il va aimer, il va aimer pour tout le temps. C'est pas genre passager, une fois qu'il n'y a plus de Nutella. Je te rappelle la stade des gays. Vient avec son amour des devoirs, de protection et tout ce que l'on attend chez un homme pour une femme. Et ça, c'est inconditionnel, alors que le contraire n'est pas vrai. D'ailleurs, les femmes, elles te disent bien, tu dois m'aimer comme je suis. Il y a des stats qui ont montré, je sais plus, j'avais vu cette courbe-là, tu trouveras sur Google, tu cherches, mais que l'homme est beaucoup plus tolérant, en fait. Ça veut dire que la femme, elle prend du poids, elle perd son travail, elle est relou, elle lui donne plus de sexe. La tolérance du gars dure, elle est beaucoup plus élevée. Alors qu'une femme, bon, tu perds ton travail, bon, bah, c'est déjà barré, tu vois. Enfin, elle n'a même pas le temps de, tu vois. Donc, c'est complètement différent. Donc là où l'homme généralement fait l'erreur, et c'est pour ça que ça fait mal quand tu prends cette petite pilule rouge, c'est que tu attends de ta femme qu'elle t'aime comme ta mère. Alors pas dans un côté maternel, dans un côté amour inconditionnel. Une femme ne va pas t'aimer de manière inconditionnelle, c'est mort. Il n'y a pas de « ouais, je serai toujours là pour toi, nanani, oui bébé, je serai toujours pour… » Parce que « oui, mais elle me l'a dit, tout ça, oui, mais… » En fait, ce qu'elle t'a dit au moment, c'est ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Donc oui, c'était vrai, à ce moment-là. Parce que des fois, les gars disent « mais en fait, elle m'a menti !» Non, à ce moment-là, quand elle te l'a dit, c'est ce qu'elle ressentait. Mais ce qu'elle ressent aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose qu'elle ressent demain ou dans une semaine parce qu'elles sont basées sur leurs émotions. Donc les émotions, ça monte, ça descend. Donc tu peux pas te baser sur… Ça n'existe pas en fait. Et vu que les gars attendent ça, ils sont souvent déçus, ils ne comprennent pas. Et vu que maintenant, ils ont leur propre travail, je pense que c'est peut-être ce qui les bloquait avant. Ou je ne sais pas exactement pourquoi il y a autant de séparation. Je pense que c'est ça, c'est le côté financier. Et puis, il y a aussi la société qui place des aides pour que bon… Dans tous les cas, t'inquiète pas, même si tu pars et tu quittes ton gars, financièrement, on va s'occuper de vous, la société va s'occuper de toi. Si jamais tu as marié un gars riche, t'inquiète pas, on va prendre son argent, on va te le donner, tu seras bien financièrement. Voilà, donc peut-être c'est ça qui fait qu'elles se disent, bon, ben, maintenant j'ai plus besoin d'homme, je m'en fiche, je me sens pas bien, boum, et elles se barrent. Alors que peut-être qu'avant, elles réfléchissent à 2, 3, 4 fois, tu vois. Et plus tous les mensonges qui sont ajoutés avec le féminisme, etc. Donc je pense que ça les aide pas, je pense que c'est pour ça. Mais bon, on s'en fiche de savoir le pourquoi. La seule chose qu'il y a à savoir et qui est difficile à avaler pour les hommes, c'est que non, la femme ne t'aimera pas de manière inconditionnelle, ça n'existe pas. Les seules personnes qui sont aimées de manière conditionnelle, ce sont les femmes. Comme je t'ai dit, tu dois m'aimer comme je suis. Voilà. Ce sont les femmes et les enfants, point barre. Donc l'amour que toi, tu aimerais, parce que ça ressemble un petit peu à l'amour que toi, tu lui donnes, ça s'en rapproche en tout cas, elle l'aura pour ses enfants, pas pour toi. Et ça, la première fois que tu l'entends, c'est vrai, je peux comprendre que ça pique. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, les gars, et toujours être au top, les gars. C'est comme ça, c'est tout. C'est pour ça que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine, comment créer son business en ligne. Voilà, avec l'intelligence artificielle, déjà tu te mets dedans, c'est gratuit. Avant de créer un hack, regarde quand même. Donc oui, est-ce que c'est dur d'être un homme? Bah oui, bah les gars, surtout qu'en plus, là, les nouvelles générations sont de plus en plus fragiles. C'est sûr que bon, les gars, un homme, oui, c'est la vie n'est pas facile. Et tout le monde s'en bat les reins, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a la guerre en Ukraine. Les femmes ont perdu beaucoup d'hommes durant la guerre. Eh ben, tu crois qu'il va se passer quoi? Les Américains, ils vont peut-être venir, boum boum, et ils vont prendre les femmes ils vont prendre les femmes, ou même des Russes, hein, qu'on fait eux-mêmes la guerre, ils vont venir, ils vont prendre les femmes, les Ukrainiennes, et les femmes, elles vont refaire leur vie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est comme ça, c'est tout. La femme est le sexe le plus faible, elle va toujours chercher la sécurité et une sécurité financière aussi, forcément. Donc c'est la vie, ça a toujours été depuis la nuit des temps, ça sera toujours comme ça. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça, voilà ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord. Ok, c'est fait pour ça l'espace. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.